Vous avez vu ce timing? Oh là 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 là, ça tire à balles réelles dans le chat. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, ça tire à balles réelles. Attendez, attendez, il a dit... Laissez-moi revoir. Arminger a dit, je m'en remets aux insoumis pour régler le problème. Super, super. Hein. Eh, mais non, mais les mecs... Vous savez, à l'instant, vous n'avez pas d'impact sur quelque chose, ça sert à rien de vous inquiéter de ce quelque chose. Ça sert à rien de hurler à la Troisième Guerre mondiale et de faire des parallèles douteux avec la Seconde Guerre mondiale et tout. Chaque situation est différente. Rien n'est cyclique, rien ne se répète exactement de la même façon. C'est pas les mêmes situations, rien à voir. Et ça sert à rien de tirer des plans sur la comète gigantesque à 6 mois alors que les Arabes... Putain, Infi, tu fais chier. Hein. Je vais avoir des problèmes, hein, Infi. Avec tes conneries, là. Je vais avoir des problèmes. Ça sent pas très bon quand même, ça dépend pour qui. Il faut remettre tout ça dans un contexte de ce qui se passe sur le terrain, je suis désolé. Mais je l'ai souvent dit, plus ça gueule en diplomatie, plus c'est le signe que ça va pas bien sur le terrain. Vous voyez le truc? Donc généralement, en diplomatie, on fait des concours de zizi en diplomatie. Hein. Je vais reparler un peu peut-être des missiles en ce moment. Je vais peut-être relativiser ça. Peut-être que j'ai tort, hein, rappelez-vous. Moi, je suis qu'un expert en expertise, je donne mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je suis pas le détenteur de la vérité absolue, que dalle. Voilà. D'ailleurs, on m'a reproché de pas être... On m'a reproché de pas être assez biaisé. Hein, on m'a dit, Pépé, tu devrais plus dire qui est le gentil et le méchant. Vous vous rendez compte, on m'a reproché de pas être assez biaisé. Alors non, on fera pas de... Je m'en fous, moi. Oui, vraiment, absolument. Je m'en fous, je suis pas là pour dire qu'il est gentil, il est méchant, je suis là pour sortir les cartes. Je fais ça une fois par mois, on voit l'évolution, on lit la carte, ça permet de voir l'évolution pour le mois prochain, d'accord? Voilà ce que je fais. Je m'en fous de qui est gentil, qui est méchant, je m'en tamponne, et c'est pas mon problème. Si vous voulez avoir des gentils et des méchants, vous trouverez plein d'autres, peut-être youtubeurs, ou alors dont je citerai pas le nom, des collègues experts en expertise, n'est-ce pas? Ou alors vous irez sur Twitter et vous trouverez plein de propagandistes qui seront d'accord avec vous. Voilà. Hein? Et voilà. Donc moi, j'essaie de faire fi de mes biais et on lit les cartes simplement. On lit simplement la carte. Voilà. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ouais. Alors il me semble qu'il y a un mois, la météo était encore pas dégueulasse. Donc c'était fin octobre, hein. Fin octobre, et je vous avais dit que peut-être que l'arrivée du mauvais temps qui généralement arrive en novembre en Ukraine, donc la boue, la Rasputitsa, les premiers gels, les pluies de novembre, les pluies de fin octobre, novembre, même si là elles sont arrivées un peu tardivement, allaient peut-être changer la dynamique du front. Peut-être qu'on allait avoir des pauses tactiques. Bah ouais, si vous voulez profiter des pauses tactiques, vous le faites quand il y a de la grosse boue, du froid et tout. Et c'est vrai que la neige et le froid sont arrivés sur le front il y a déjà plusieurs semaines maintenant. Hein. On a eu de la neige, on a de la pluie, il y a eu de la boue aussi. Et ça, c'est un char léopard vu d'un drone russe. Et voilà. La minute géopolitique, je me souviens maintenant, bah voilà. Ouais, généralement, mes minutes géopolitiques se baladent parfois sur Internet. Voilà. J'aime bien tes analyses. Mais écoute, tout le monde les aime pas trop. Hein. Mais c'est normal. Vous pouvez pas faire en sorte que les gens... Enfin, vous faites pas ça parce que les gens, ils vont vous aimer, quoi. Vous en foutez. Vous faites ça pour donner votre avis. Et les gens sont peut-être pas d'accord avec vous. C'est la vie. Voilà. À quand Pépé sur LCI ou BFM? Mais vous rigolez, on est bien... Eh, je suis bien plus compétent que ces gens-là. Enfin, vous vous rendez compte de ce que je fais là? Je vais vous faire de l'étude de cartes. Vous croyez qu'ils font ça sur LCI et BFM? Les journalistes, c'est nous maintenant, hein. Vous avez déjà vu le même avec le black là? Hé, regarde. Les journalistes, c'est nous maintenant. On fait votre boulot, tas de merde. C'est nous les patrons maintenant. C'est nous les patrons, c'est nous qui faisons le boulot d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. Voilà. Ils cherchent pas à le faire, mais bien sûr qu'ils cherchent pas à le faire. C'est trop de travail et pas assez rentable. Donc ouais, les mauvaises conditions météo sont arrivées, la neige, la boue, le froid, et ben j'avais tort. Je peux vous dire que la semaine précédente a sûrement été l'une des semaines les plus dynamiques sur le front
qu'on ait eu depuis le début de la guerre, à part quand c'était les grandes manœuvres vraiment de ce nouveau type de guerre un peu statique, d'attrition. On a eu une semaine incroyablement dynamique. La mauvaise météo n'a absolument pas arrêté les opérations. Au contraire, ça les a même accélérées dans certains secteurs et ça n'a eu aucun impact sur toutes les actions en cours. Il y a des raisons de pourquoi ça pète autant. Peut-être qu'il y a aussi de la diplomatie derrière avec l'élection américaine qui va venir peut-être gripper certaines machines au niveau aide et tout ça. Donc ouais, on verra bien. L'hostie, à tout à l'heure, on espère, l'hostie, tu seras là pour... hein, voilà. Edge of Empires, c'est un léopard. Ouais, c'est un léopard, ouais. Vu d'un drone russe. Je vais, comme d'habitude, éviter de vous mettre des photos et vidéos de combat. J'aimerais bien vous mettre des photos et vidéos de combat. Pas pour le côté morbide de voir des gens mourir, mais pour que vous compreniez ce qu'est la brutalité du combat et que c'est pas juste des belles paroles de Macron et compagnie qui font des discours grandiloquents. C'est horrible, mais c'est aussi une réalité du terrain qu'il faut montrer aux gens. Et moi, j'aimerais que tous les gens qui sont pour cette guerre, qui sont là à dire envoyons l'armée française, j'aimerais bien qu'on leur montre les mecs en train de prier avant de se prendre avant de se prendre une bombe de drone dans la tronche, ou les mecs qui se suicident parce qu'ils savent qu'ils sont foutus, les mecs qui prennent leur arme et qui s'en foutent une devant le drone. Il faudrait montrer ça aux gens pour qu'ils comprennent la brutalité de ce que c'est et l'horreur de mourir seul dans une tranchée sous les bombes et tout ça. Parce que ça, on le voit quotidiennement. Et voilà. Donc ouais, on va parler un petit peu des missiles. Je sais que là, on parle pas du front. Vous savez que c'est dingue. On a une guerre et ça parle pas des opérations de combat. Ça parle de toute la diplomatie, de toute la diplomatie autour. Alors là, récemment, le 17, vous avez eu une très très grosse attaque combinée russe de drones, de missiles sur encore tous les sites électriques. Ils ont plus d'électricité là-bas. Hein. Les Russes là ont même tapé un peu du poing sur la table. On va vraiment tout vous enlever. Donc ils peuvent pas taper les centrales nucléaires, mais ils peuvent taper par contre ce qu'on appelle les substations, donc les stations qui permettent tous les stations transformateurs et tout ça. Donc vous pouvez pas taper la centrale nucléaire, mais vous pouvez taper en fait tous les gros hubs électriques autour de la centrale qui gèrent en fait les flux électriques. Donc les Russes, vous savez, il y a des endroits d'Ukraine où il n'y a plus d'électricité. Hein. Il y a 20 heures de blackout par jour. Ils ont plus d'électricité. Et c'est un énorme problème de plus avoir d'électricité en hiver, quand vous ne pouvez pas vous chauffer et tout. Ça, on le savait, hein. L'hiver va être très très long. Les stations relais, merci. L'hiver va être très très long pour les Ukrainiens. Et c'est vrai que dans la foulée de ça, alors il y a eu l'élection américaine aussi qui a bouleversé tout un écosystème, puisque pour la première fois, on a les Américains qui ont donné leur autorisation pour taper dans la profondeur. Alors ce qu'ils appellent dans la profondeur, il faut oublier que ce qu'on appelle les attaques MS, ça n'a pas non plus une portée dingue, d'accord? Alors j'ai vu des gens qui disaient c'est la fin du monde, les Russes avaient dit si vous tirez avec ça, on ripostera de façon nucléaire. Même moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin sur ma position sur ça. Écoutez, les lignes rouges russes, elles valent rien, d'accord? Les Russes ont dit la même chose avec les F-16, avec les Léopards, à chaque fois qu'il y a un nouveau système d'armes. Avec l'accord de Trump n'est pas président, d'accord? Ils aboient beaucoup, les Russes, d'accord? Mais ils ont raison d'essayer! Ils aboient beaucoup. Dites-vous qu'il y a déjà des missiles ukrainiens qui sont tombés. Regardez, regardez! On a Internet, je suis encore vivant. Il n'y a pas eu de riposte nucléaire russe, d'accord? Alors, les lignes rouges russes, c'est Pierre et le loup, ils ont trop hurlé au loup et ils sont plus crédibles aujourd'hui, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Ils ont trop joué à Pierre et le loup. Et aujourd'hui, oui, ils ont tiré un ICBM, mais sans charge nucléaire. Ça sert à rien, ils auraient mieux fait de ne pas gaspiller un ICBM pour rien, pour l'instant, absolument pour l'instant. Mais on voit qu'en Europe et aux États-Unis, on joue avec ça. On joue avec ça, peut-être qu'à un moment, je peux pas vous dire quand, pourquoi, si, mais les lignes rouges russes ne valent pas grand-chose. Voilà. Et donc ouais, comprenez que ça change rien. Ces missiles, c'est pas une arme miracle, hein. Vous savez que les Ukrainiens tapent dans la profondeur l'Ukraine. Si vous suivez la minute géopolitique, je vous ai déjà montré et expliqué que les Ukrainiens tapaient dans la profondeur du territoire russe depuis très longtemps. À plusieurs centaines de kilomètres. On a vu les Ukrainiens aller taper avec du drone et tout, près de Saint-Pétersbourg, des dépôts de munitions. Ça fait plus d'un an, un an et demi, que les Ukrainiens ont franchi cette ligne rouge d'eux-mêmes d'aller taper les raffineries russes très loin de la ligne de front. Avoir des missiles qui ont une petite portée dans la profondeur ne change absolument rien. D'accord?
C'est juste le côté symbolique que c'est un missile américain. Voilà. Et bien sûr qu'ils ont prévenu l'Occident qu'ils allaient tirer un ICBM. Il y a des règles. Il y a des règles. Quand tu tires un ICBM, surtout de cette façon-là, dans un cadre, tu avertis les gens, d'accord? L'ICBM, il part dans l'espace. Hein? Il part dans l'espace. Et le NORAD, ça doit sonner, vous voyez? Donc ouais, les Russes ont averti les Américains, mais c'est de la diplomatie, d'accord? C'est du concours de zizi. C'est du concours de zizi. Regarde, j'ai un missile, moi j'en ai un plus gros que toi, je peux le tirer. Voilà. Donc je comprends que ça inquiète les gens. Moi je vous dirais, je suis pas inquiet parce que ça n'a aucune conséquence pour le moment. Ça n'a aucune conséquence de ce qui se passe sur le terrain. C'est juste qui a la plus grosse. Exactement. Alors dans la foulée, ils en ont profité parce qu'ils ont un bon vecteur pour aller. Ça, c'est toutes les bases aériennes russes. D'où décollent entre autres je parle souvent des FAB. Les FAB qui sont le plus gros problème des Ukrainiens. En moyenne, par semaine, on est entre 600 et 1000 FAB qui tombent sur le champ de bataille. Elles ne peuvent pas être contrées. C'est sûrement le plus gros souci des Ukrainiens. C'est ça. Et peut-être qu'avec ces missiles, ils peuvent aller taper les aéroports. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas attendu. Ils sont allés détruire un dépôt de munitions. Là, il y a quelques jours, ils ont tapé la base aérienne de Koursk. Mais ils sont même pas allés attaquer un aéroport qui abritait une escadrille pour aller taper des FAB, mais plutôt un aéroport qui faisait du support aérien. Les Russes ont dit qu'il n'y avait rien, mais que voilà. Donc ouais, ils profitent aussi de ces missiles qui sont plus modernes que leurs drones pour aller taper les infrastructures russes qui font du support aérien. Mais on est bien loin d'une pluie de missiles sur tous les aéroports. Surtout que les avions peuvent facilement être dispersés, planqués, déplacés, ou alors mis hors de portée des missiles. Voilà. Les Ukrainiens frappent en Biélorussie. Non. Non, il frappe à la Biélorussie. Par contre, parfois, la Biélorussie se prend des drones détournés, se prend des petits machins qui n'auraient pas dû être là. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais non. Donc, ouais, ça ne change pas grand-chose à la dynamique du front, ok? C'est vraiment de la diplomatie. Les gens s'excitent sur ça. C'est pas. Et avec Trump qui a été élu, Trump, il va prendre ses fonctions, je crois, le 20 janvier. Comprenez que les Russes n'ont aucun intérêt à appuyer sur le bouton nucléaire. Je le répète, hein, les Russes dans le Donbass sont en train de gagner. Ils sont en train de reprendre le Donbass morceau par morceau, jour après jour, ils grignent du terrain, kilomètre carré par kilomètre carré. Vous appuyez sur le bouton nucléaire quand il n'y a pas d'autre option. Là, l'option, c'est qu'on est en train de gagner, pourquoi on se foutrait en l'air? Et peut-être qu'avec l'élection de Trump, ça va faire basculer beaucoup de choses, ça va ouvrir la porte aux négociations, allez savoir. Et ça explique aussi certaines choses qui se passent sur le terrain. Donc ouais, il n'y a aucune raison que les Russes appuient, là, à l'instant T. Il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. S'ils perdaient avec les Russes, avec les Ukrainiens sur leur territoire, peut-être. Mais c'est pas le cas. C'est les Ukrainiens qui sont désespérés en ce moment. C'est pas les Russes. Et c'est la carte qui le dit, c'est pas moi. Voilà. Les câbles coupés de la Baltique, ouais, la tech potentiellement donnée à l'Iran, ouais, mais ça, c'est des crottes de nez, mec. C'est pas des lignes rouges, c'est des crottes de nez. Ils font venir des mercenaires houthis, mais c'est de bonne guerre. Nous, on fait venir aussi des mercenaires en Ukraine, ils font venir des mercenaires européens. C'est des crottes de nez, tout ça, c'est anecdotique. C'est pas des lignes rouges. Il y a une ligne rouge, je pense, que les Russes ne reculeront pas. C'est si on file des armes nucléaires à l'Ukraine. Si on venait à équiper l'Ukraine d'armes nucléaires, je pense de bonne foi que les Russes tireraient en premier. Ça, je pense que c'est la seule ligne rouge aujourd'hui qui est valable, c'est si on file des armes nucléaires à l'Ukraine. Parce qu'on se barre. Allez, tenez, on vous donne quelques armes nucléaires. Ça, je pense que ça serait une ligne rouge, une cassure. Ça serait la ligne rouge. Moscou et Saint-Pétersbourg sur la ligne rouge. Bah écoute, va falloir aller les envahir. Bon courage, hein. Voilà. Bon ouais, on va aller voir sur le front maintenant, d'accord? Ça, c'était la petite partie diplomatique. Je sais que ça a fait beaucoup de bruit. À la fin de la journée, ça a quasiment aucun impact sur le champ de bataille. Absolument aucun impact. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé depuis un mois. Et on va aller faire un petit peu le tour du front. Comme d'habitude, j'utiliserai deux cartes, une pro-Ukraine. Deep State et l'autre là dont j'ai oublié le nom qui est plus pro-russe. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé depuis un mois. Alors, front par front, secteur par secteur,
On va aller analyser un petit peu tout ça. On va commencer par Koursk. Eh, vous vous rappelez l'incursion de Koursk? Les Ukrainiens ne se sont pas encore fait dégager, hein. Ça tient, donc là je suis. Hop, attendez, je vous ai mis. Est-ce que vous voyez? Ouais, voilà, vous voyez Deep State. On sait que les Russes ont mis des gros moyens ce mois-ci. Moi j'ai vu beaucoup de. Il y a eu des violents combats. Les Russes, pour des raisons logiques que vous allez comprendre, veulent dégager les Ukrainiens de leur territoire, d'accord? Et je pense qu'ils refuseront de négocier tant que les Ukrainiens seront encore à Koursk, pour la simple et bonne raison que c'est une monnaie d'échange pour les Ukrainiens. Avoir 400 km² de territoire russe, c'est une monnaie d'échange pour les Ukrainiens, en disant « Regardez, on a du territoire! Si vous nous rendez rien, on garde ça! » Les Russes ne veulent absolument pas que les Ukrainiens utilisent ça comme monnaie d'échange. Donc les Russes mettent le paquet, on a des violents combats. Pas forcément à la faveur des Russes, on a vu qu'ils ont grignoté un peu de terrain, vous allez voir, depuis un mois. Regardez, ça c'était. Vous voyez? Ils se font grignoter, hein? Ça c'était à la dernière. C'était quand la dernière minute géopolitique? Est-ce que le chat se rappelle? C'était quand la dernière minute géopolitique? C'était en début. Le 26? Oh là là, un fille, le 26. Ok. Donc voilà le 26. Et vous pouvez voir que. Ça a grignoté du terrain. Voilà. Ils sont en train de les dégager. Doucement mais sûrement. Ça va prendre du temps. Et le 23, ok. Et c'est lent. Mais les Ukrainiens mettent aussi énormément de moyens. Énormément de moyens pour les ralentir. On a des unités mécanisées qui sont là-haut. Donc vous comprenez pourquoi ils veulent. L'arrivée de Trump va provoquer des négociations, d'accord? Trump va siffler la fin de la récré dans ce coin-là. Va dire aux Ukrainiens, on vous aide plus, maintenant vous devez négocier. Démerden zizish. Et l'ouverture de potentielles négociations fait que chacun des deux camps, ukrainien et russe, veulent avoir des cartes. D'accord? Ils veulent avoir quelque chose à négocier. C'est logique. Et les Ukrainiens sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour garder ce morceau de Russie. Parce qu'il n'a aucune valeur ce morceau de Russie, il n'y a rien là. C'est que des foutus villages, il n'y a rien d'intéressant. Et voilà. Donc les. Certains voudraient voir la disparition du front comme preuve que les Ukrainiens vont appliquer le territoire russe. Et ils vont faire quoi? Ils vont retourner prendre 500 km, ils vont reprendre, ils vont re se refaire éclater par des FAB. Le problème, c'est qu'ils sont en train de perdre le Donbass, quoi. Et le Donbass a une valeur importante. Donc ouais, à voir, peut-être, hein, peut-être, hein. Mais c'est pas brillant la situation pour le moment. Donc ouais, à voir. Donc je pense que jusqu'à janvier, on va avoir des violents combats ici. Les Russes veulent dégager les Ukrainiens et ils vont les renvoyer à la frontière. Ça va prendre du temps, ça va coûter cher, mais on est en pleine escalade. Moi, ouais, l'escalade, elle est surtout médiatique et diplomatique, hein. C'est ce que t'arrives peut-être un peu en retard. Mais j'ai expliqué qu'il y a peut-être, c'est beaucoup de baratin et pour pas grand-chose. Voilà. Donc ouais, ça bouge. Ça bouge. D'ailleurs, regardez l'extension max. Et ça, c'était avec le 19 novembre. Donc là, vous avez l'extension maximale de la poche en bleu clair. Et vous voyez que ça a bien réduit. Et ça a encore réduit. C'était le 19 novembre. Ils ont encore perdu du terrain. Depuis, d'accord? Donc ouais, vous pouvez voir que les Ukrainiens ont presque perdu la moitié quasiment du territoire qu'ils avaient pris aux Russes. Donc ils sont en train de réduire, mais ils se défendent bien. Voilà. Oui, mais pour une fois, c'est un territoire russe qui va se faire dévaster par la guerre. Ça change rien, tu sais. Tu répares, tu reconstruis. Les Russes ont aucun scrupule à bombarder leur propre village. Hein. Ça change rien à l'équation. Hein. Les Russes préfèrent voir ça totalement détruit. Entièrement détruit comme un des Ukrainiens. Tout ça peut être reconstruit. Donc ouais, c'est pas une vision intéressante ça. Une division russe près de la Moldavie, ouais, on s'en fout. Ça fera tourner l'économie de la reconstruction, absolument. Bon, voilà, en tout cas, ça bouge à Koursk. Et c'est les Russes qui sont c'est les Russes qui sont à l'offensive. Pour essayer de dégager les Ukrainiens et reprendre ce territoire qu'ils veulent surtout pas voir dans l'escarcelle des Ukrainiens pour de futures négociations. Ce qui est logique. Comme dit, beaucoup de choses sont logiques de ce qui se passe sur le champ de bataille. Ouais, alors attendez, je vais. Elle est où la frontière sur la carte? Tu la vois pas la frontière? Attends. Hop.
La frontière, elle est un peu en rose là. Regarde. Tu vois? Elle n'est pas de l'autre côté, mais elle était en rose là. Voilà. Bon, on va continuer à aller voir le front. On va aller voir le parent pauvre, Vovchenko. Tout ce secteur du front. J'ai eu absolument aucune news en un mois de ce front. En un mois, j'ai rien vu passer. C'est le parent. Vous savez, dans les fronts, vous avez toujours un parent pauvre, celui dont on fait plus attention. Vovchenko est un peu le front pauvre parce que les Ukrainiens ont pris leurs troupes pour les envoyer à Koursk et les Russes ont pris leurs troupes pour les envoyer à Koursk. Rien, tout est rasé, absolument. Regardez ça, c'est Vovchenko. C'est ce qui reste de Vovchenko. C'est une ville ici, Eric. C'est une ville avec des immeubles. La ville, je suspecte qu'on ne s'y bat plus parce que ils ont tellement tout rasé, tout a tellement été cassé, vitrifié, qu'on peut même plus s'y battre. C'est un champ de ruines. Il n'y a plus de cover, il n'y a plus rien du tout. C'est un champ de ruines. Les Russes ont mis le paquet sur le merdier. Et j'ai vu. Alors, j'ai peut-être vu une FAB 3000 tomber tout à l'heure sur Vovchenko, mais c'est peut-être une vieille vidéo. Donc ouais, la zone est entièrement rasée à Vovchenko et on ne s'y bat plus. On ne s'y bat plus. Vous allez voir d'ailleurs, hop, vous allez voir que en un mois, je suis prêt à parier, rien n'a bougé en un mois. Ouais, c'est ça, regardez. Pas un mouvement de repéré en un mois. Donc ça, c'est un front qui est en sommeil. Je vais essayer de reparler un petit peu de ce concept de front statique qui d'un coup se réveille pour des raisons. Voilà. Ça sert à quoi de conquérir si tout est détruit et surtout pollué? Là, tu penses en long terme, en fait. Tu penses en long terme. Ça a un intérêt si tu veux mettre la pression sur l'adversaire. Si là, tu attaques, tu forces l'adversaire à. C'est un jeu d'échecs. Tu attaques ici, tu forces l'adversaire à réagir et à envoyer des troupes ici. Ces troupes qui sont ici, elles sont plus ailleurs, tu vois. Donc, c'est. Quand tu sais que ton adversaire a un manque de moyens criant, comme les Ukrainiens, tu peux redynamiser un front pour le forcer à réagir, pour appauvrir un autre front où tu vas attaquer. Les Russes sont très très bons à cela, à forcer les Ukrainiens à peut-être réagir ou surréagir dans certains secteurs. Donc c'est pas une question de conquête ou de sol pollué et tout, ça c'est de la vision à long terme. D'un point de vue purement militaire, tu veux forcer l'ennemi à réagir à tes mouvements et garder l'initiative. Je parle souvent d'initiative. Et de dynamique, mais c'est celui qui a l'initiative qui contrôle le champ de bataille. De valeur économique, de conquérir ces terres. Il n'y a pas de valeur pour le moment. La valeur, ça sera quand ce sera négocié, la paix sera négociée. Pour l'instant, la valeur, tu l'oublies. Là, le but, c'est de gagner la guerre à n'importe quel prix, quitte à récupérer un champ de ruines. Voilà. Donc, ouais, ici, le front statique. Statique. On va aller. Maintenant, ça va commencer à bouger. On va aller à Koupiansk. Koupiansk. Donc, on va retourner. On va se rapprocher du Donbass. Voilà le front de Koupiansk. Le front de Koupiansk qu'on a suivi à plusieurs reprises. Puisque, rappelez-vous, il y a la rivière Oskil. On va reparler de l'Oskil et de son importance. Donc là, la première armée blindée de la garde qui avait coupé en deux le dispositif ukrainien sur l'Oskil. Ce qui fait qu'on a deux fronts maintenant. On a le front de Koupiansk. Regardez le gigantesque salient de Koupiansk. Pas besoin d'être magicien pour savoir ce que les Russes vont essayer de faire ici. Et vous avez la ville de Koupiansk. Attendez, je vais passer sur une autre vue. Voilà. À part la première armée blindée de la garde qui avait poussé au sud, on n'avait pas eu tant que ça de mouvement dans la zone, mais ça a rebougé à Koupiansk très très fort. Dans le nord de Koupiansk, on a même eu. Donc voilà la ville de Koupiansk. Donc toute la zone à l'est de Koupiansk, donc de l'autre côté de l'Oskil, et surtout une zone majoritairement industrielle. À gauche, c'est la ville, à l'ouest. Et on a eu les Russes qui ont fait sauter tout le verrou défensif ukrainien au nord de Koupiansk. Et on a même eu une incursion russe quasiment jusqu'à la voie ferrée, là, jusqu'à la grande route. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, comme je dis souvent, le combat urbain n'est pas facile à lire. On sait que les Russes sont rentrés dans Koupiansk, mais se sont refait dégager après. Est-ce que ce sont eux qui se sont barrés qui sont barrés, repliés, contre-attaque? Moi, j'ai rien vu passer au niveau information. En tout cas, ça a été confirmé là. Que la zone s'est stabilisée, la zone de front s'est stabilisée au nord de Koupiansk. Mais les Russes sont quasiment maintenant dans les premières maisons et les premiers faubourgs au nord. C'est très très inquiétant pour les Ukrainiens. Donc ouais, la rivière Euskil. Est-ce que vous voyez la rivière Euskil? C'est une des rivières très importantes du secteur.
Donc là, la première armée blindée de la garde avait coupé la rivière Oskil à un point de passage. Vous voyez le pont détruit, là? Hop là, le pont, il a été détruit. Et la rivière Oskil délimite pour le moment le front. Donc là, vous avez... On va... Alors, vous voulez pas vous battre avec la rivière, une rivière dans le dos? C'est possible d'avoir le lien de ta carte militaire. Ouais, je mettrai tout à la fin, ok. Vous voulez pas vous battre avec la rivière dans le dos, pour des raisons logiques, que Oskol, ouais, je m'en fous. Moi, je vais dire Oskil, voilà. Rien que pour te faire chier. Vous voulez pas vous battre avec une rivière dans le dos? Alors là, c'est pas un fleuve, hein. Mais la rivière est chiante. Parce que vous pouvez pas faire passer de matériel lourd, d'équipement, de ravitaillement, s'il n'y a pas de pont, d'accord? C'est assez compliqué. Et vous pouvez voir profond de la rivière. À certains endroits, non. À certains endroits, oui, en fait. Et vous pouvez voir que, par exemple, pour les Ukrainiens, vous voyez un peu le saillant, là, à l'est de Kupiansk. Tout ça, là. Vous avez des grosses défenses ukrainiennes, d'accord? Vous avez des éléments mécanisés ukrainiens. On fait la guerre, il y a des unités, donc il faut amener des vivres, des munitions. Il faut faire du turnover. Le problème, c'est que si les Russes ont voulu s'emparer, entre autres, d'un de ces points de passage sur le skill et commencer à couper le skill, regardez, on va aller se balader sur le skill. Okay, vous voyez le skill? La rivière skill? Cette carte est chouette parce qu'elle est très claire. Aucun pont, aucun point de passage. Là, on monte vers le nord en direction de Kupiansk. Aucun pont sur le skill. Ah, regardez! Pont de chemin de fer détruit. Vous voyez le pont de chemin de fer qui a été détruit? Et dessous, ils ont construit deux ponts de fortune pour pouvoir passer. Ces ponts, ils ont de nouveau été détruits. Hein. Comprenez que l'image satellite que vous avez là est obsolète, d'accord? Elle date de 2024, l'image. Sûrement, je pense, de l'été 2024, peut-être juin ou juillet 2024. Donc là, vous avez un ancien pont ferroviaire qui a été détruit et vous avez deux petits ponts de dépannage, sûrement des ponts militaires qui ont été posés bah, pour pouvoir franchir en fait. Donc là, on continue de monter vers Kupiansk. Ah, petit pont! Il a l'air intact. C'est même pas un pont, regardez. C'est une passerelle. Ça, c'est encore une petite passerelle militaire. Il devait y avoir un pont ici, il a été détruit. Ils ont installé une passerelle militaire. Sur tous les mois que j'ai fait, que je suis ça, j'ai vu un paquet de ponts sur le skill être détruit par les Russes. Les Ukrainiens reconstruisent à chaque fois, les Russes détruisent. Voilà. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Ah, c'est une zone marécageuse, on dirait avec de nombreux bras, un vrai calvaire à traverser. Une passerelle pour piétons. Non, là, tu fais passer des véhicules là-dessus. Tu fais totalement passer des véhicules. Ça, c'est une passerelle pour véhicules, mais ça se détruit facilement. Ça se détruit facilement, mais ça se reconstruit facilement. Donc, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de points de passage sur le skill. On va continuer à monter le skill. On ne devrait pas tarder à arriver à Kupiansk. Aucun point de passage. Aucun pont. Là, on arrive à Kupiansk. Regardez, Kupiansk. Pont détruit à Kupiansk. Aucun moyen de passer. Encore un pont ferroviaire qui a été soit détruit par des bombes, soit saboté aussi. Possible. Et là, regardez, on a un pont gravement endommagé à Kupiansk. Et regardez la carte, là. Qu'est-ce que vous voyez sur la carte? On était sûrement à la... Comme je dis, en juin-juillet 2024. Qu'est-ce que vous voyez sur la carte? Les mecs qui ont pris colonne de camions. Ça, c'est un convoi militaire, les mecs. On va compter. La photo a été prise par accident. Vous allez halluciner. Mais c'est comme ça qu'on déplace des brigades sur un champ de bataille. On va compter les camions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ça, c'est sûrement toute une brigade qui est en train de se déplacer. Donc quand les mecs ont pris la photo satellite, sans s'en rendre compte,
ils ont chopé le déplacement d'une très grosse unité ukrainienne, sûrement, qui montait au front à Kupiansk. Intéressant, hein? Donc le seul point de passage, là, sur l'Oskil, viable pour du matériel lourd, c'est les ponts, c'est ces deux ponts-là. Et on voit qu'un des ponts a sûrement été déjà gravement endommagé. Comme je dis, c'était il y a 6 mois, voire plus. Peut-être que ces ponts ont été détruits depuis. Je suis incapable de vous dire. Faudrait aller voir. Donc ouais, le but des Russes ici, c'est de couper tout ce qui passe sur le skill. Et ça va être de réduire ce saillant dans les prochains mois. Tout en la première armée blindée de la garde, ici, elle va continuer à nettoyer. Vous avez vu qu'elle a déjà bien progressé, hein, en un mois. Elle va continuer à nettoyer. C'est un terrain très propice à la progression ici, d'infanterie. C'est pas du découvert. Et sans aucun doute qu'on va avoir les Russes qui vont essayer de dégager, de forcer les Ukrainiens à se replier de ce saillant sans se battre. Ou alors en se battant, mais simplement en les forçant. Vous voulez pas être encerclé, quoi. Donc c'est ce que font toujours les Russes. C'est leur modus operandi. Voilà. Mais comment tu as réussi à récupérer ça? Tu dis toute la carte mètre par mètre. Bah faut regarder. Tu regardes la carte et tu regardes, t'observes. Tu sais, il y a des gens dont c'est le boulot, hein. Ça s'appelle de l'analyse de carte. Sauf que moi, ma carte a 6 mois, mais tu peux demander à ton satellite d'aller prendre une photo dans une heure, et ça va être à toi d'observer. Voilà. C'est un grignotage long efficace, absolument. Donc ça va être compliqué à Kupiansk dans les prochains mois. Les fabs tombent déjà sur la ville, hein. La ville est bombardée quotidiennement. Et les Russes sont déjà aux portes de la ville à voir. D'ailleurs, il y avait pas mal de gens qui disaient que la rivière Oskil, du nord au sud, ferait une bonne frontière naturelle entre l'Ukraine et la Russie avec des négociations. Hein? Ça ferait une bonne rivière naturelle pour négociation et trouver une frontière pour entre cette zone-là et l'Ukraine. Et pourquoi pas? Et il s'avère qu'il y a quelques jours de cela, sorti de nulle part. Vous voyez là la ligne électrique dans la forêt là, les Russes ont traversé l'Oskil un peu par hasard, sorti de nulle part. Ça a été confirmé par les Ukrainiens et les Russes, et on a des unités russes qui sont soit passées à gué, soit passées en bateau. On n'a eu aucune géolocalisation, mais ça a été confirmé par les deux camps, et on a des unités russes qui ont franchi l'Oskil ici. Visiblement le système défensif ukrainien laisse aussi à désirer. Et les mecs ont été capables de passer ça. On n'a eu aucune nouvelle depuis. On sait que ça s'est visiblement étendu. On ne sait pas trop ce qui se passe. J'ai vu un pro-Ukraine, un super propagandiste qui disait que la tête de pont avait été anéantie par les Ukrainiens, que les Russes avaient retraversé l'Oskil, mais ça a été confirmé par personne. Donc pour le moment, ce qu'on est sûr, c'est qu'on a des Russes qui ont franchi l'Oskil au nord. Ce qui est un problème, hein, parce que Andrea demandait tout à l'heure à quoi ça sert de prendre du terrain pollué. À quoi ça sert de prendre ça? Il n'y a pas de pont. Au mieux, vous allez devoir peut-être installer un pont flottant pour faire passer des véhicules. Ah, c'est peut-être pas pratique pour faire la guerre. Hein. C'est peut-être pas pratique pour amener des véhicules lourds et tout ça. Mais ça va forcer les Ukrainiens à réagir. Vous voyez? C'est un jeu d'échecs. Vous jouez ce coup-là, vous allez imposer une réaction à l'adversaire. Vous ne pouvez pas laisser... Par exemple, je sais qu'il y a des ouvrages. Vous voyez là? Tout ça, c'est une espèce de grande colline qui domine l'Oskil. Vous ne pouvez pas laisser ça aux mains des Russes. Surtout pas. Et les Ukrainiens vont devoir envoyer des renforts d'ici. Sauf que les renforts, ils vont venir d'où? Ah bah ils vont venir de Kupiansk, hein. Va falloir peut-être alléger la défense de Kupiansk ou certains secteurs de Kupiansk pour aller devoir faire le ménage là-haut et dégager de l'infanterie russe qui s'est retranchée dans les bois. Vous voyez? C'est que vous forcez l'ennemi à réagir systématiquement. Donc ça, on verra dans les prochains jours, prochaines semaines, si les Ukrainiens vont être capables de dégager les Russes de la rive ouest de l'Oskil, mais ça va être un problème. Vous pouvez pas laisser ça pourrir, vous voyez. Vous êtes obligé de réagir à ce genre de mouvement de traversée de coupure humide, même si c'est pour provoquer une réaction. Vous devez réagir, vous pouvez pas laisser ça comme ça sans réaction. Donc ouais, ça bouge fort sur ce front qui était assez statique depuis plusieurs mois, à part la première armée blindée de la garde ici qui avait fait le ménage. Et là pareil, ça bouge un petit peu, mais ça reste assez anecdotique. On va descendre vers le sud. Encore un des parents pauvres. J'ai rien vu passer ici. Rien. En un mois, le saillant de Siversk. Les Russes se sont même repliés
du village de Verkonam Kayetskanske, ok, hein, pardonnez mon... voilà. Mais ça n'a pas bougé. Ici, c'est le calme plat et... Je sais souvent de le dire, mais les Ukrainiens ont des moyens limités, mais les Russes aussi. Les Russes ne peuvent pas attaquer en force partout, sur tous les fronts. Les Russes sont aussi obligés de choisir leurs axes d'attaque où ils vont avoir la priorité en hommes, en recomplètement, en obus et tout, d'accord ? Donc les mecs sont obligés de faire des choix. Et vous, bah vous reconnaissez où sont les parents pauvres ? Vovchenko est un parent pauvre, le saillant de Siversk est un parent pauvre. Ce sont des secteurs du front qui sont calmes, qui sont en résonance avec aucun autre secteur. Et bah, on va attendre que peut-être il y ait une avancée majeure sur un autre secteur voisin pour pouvoir re-rentrer en action ici. Donc le saillant de Siversk, là, est... je vais pas oser dire... Alors comprenez que quand je dis que c'est en hibernation ou que ça bouge pas, ça veut pas dire que c'est pas actif. Hein. On a encore des FAB qui tombent, l'artillerie est omniprésente, hein. C'est pas calme. Mais on n'a pas d'échange de terrain, c'est ce que j'essaie de dire. Donc le saillant de Siversk est horriblement calme pour le moment. On va aller vers le sud. On va aller sur un des autres points chauds qui est Chasiviar. Chasiviar, la bataille de Chasiviar qui dure depuis des mois maintenant. Les Russes en ont chié pour prendre le district du canal. Ils ont été capables de traverser le dit canal et de grignoter mètre après mètre. Les Vovchenko n'existent plus. Regardez, attendez. Je vous ai trouvé une photo de Vovchenko qui a été prise par un drone russe, un drone ukrainien, il y a quelques jours de cela. Regardez. Vous avez vu là, Twitter, c'est incroyable. Hein. On a les vidéos des drones de reconnaissance ukrainiens qui arrivent sur Twitter quasiment quelques heures après que les images étaient prises. Voilà quoi ressemble Vovchenko. La ville entière est rasée. On se bat, il y a un côté Stalingrad, on se bat dans des ruines sous les mouvements des drones. Il n'y a rien, il n'y a pas âme qui vive. Tous les gens sont enterrés là-dedans. Et les Russes grignotent à Vovchenko. Grignotent maison après maison, avancent avec les FAB, matraquent les positions. Et c'est compliqué. Les Russes ont potentiellement fait le plus dur à Vovchenko, à Chasiviar, de traverser le micro-canal et d'avoir été capable de repousser les Ukrainiens. Les drones, c'est vraiment le pire. Les drones sont de l'artillerie, d'accord ? C'est une nuisance. Ça cause de l'attrition, les drones. Ça cause de l'attrition comme l'artillerie, d'accord ? Voyez ça comme une artillerie cheap, mais c'est de l'artillerie. Ce n'est pas décisif, les drones. Mais ils causent une nuisance et des pertes d'attrition qui sont extrêmement gênants. Voilà. Donc ouais, Chasiviar, ça bouge aussi, mais très légèrement, très lentement. Mais sans aucun doute, les Russes sont en train de grignoter ça. Et on a les... Comprenez que si les Russes n'avancent pas, c'est aussi que les Ukrainiens défendent bien. Hein, on a les Russes se battent très très bien. Hein, c'est un terrain qui est propice à la défense aussi. Hein, vous ne me prenez pas. C'est jamais évident d'attaquer en ville vu la quantité de positions défensives. Donc ouais, Chasiviar, calme, mais ça bouge quand même. On va aller dans le sud. D'ailleurs, je me rappelle plus du nom du canal là. C'est le canal Donetsk machin. Les Russes ont été capables de dégager les Ukrainiens de toute la rive est du canal. Hop là, tout ça, ça a été repris. Les Ukrainiens occupaient encore pas mal de terrain à l'est du canal, donc là, ils ont été dégagés. Et on va aller à Toretsk. Toretsk, où les combats sont zinzin. Je le répète encore, le combat urbain est difficile à lire. On a eu des changements de position à Toretsk. La partie sud de Toretsk, je vais zoomer. Vous voyez, là, la partie sud, il y a encore quelques semaines, les Russes avaient capturé tout ça. Les Ukrainiens les ont renvoyés à leur base de départ. Et depuis une semaine et demie, les Russes reprennent tout. Il est extrêmement difficile de lire le combat urbain. Et on sait qu'il y a des violents combats à Toretsk. Les Ukrainiens ne veulent pas lâcher la ville et sont prêts à injecter énormément de moyens. Alors, il s'avère que j'ai une vidéo de Toretsk. Vous ne voyez pas souvent de vidéos parce que je ne veux pas les montrer parce que je pourrais avoir des soucis. Mais ça a été pris il y a 3-4 jours, voire moins, à Toretsk. Attendez. Ah ! Je vais mettre comme ça. Hop là. Encore un drone de reconnaissance. Regardez l'état de la ville à Toretsk. Vous avez vu la...
La précision des drones. Vous voyez tout. Donc voilà à quoi ressemble la ville de Toresk. Elle n'existe plus. Il y avait 100 000 habitants ici, les mecs. Hein. Il y avait 100 000 habitants à Toresk. C'était une grande ville. L'enfer de se battre là-dedans, absolument. C'est impressionnant. Ouais, il faut avoir conscience. Donc vous voyez un peu la différence entre la carte que je vous montre. Et là, on a vu sur la carte, là, ce sont des bâtiments qu'on voit. Hein. Donc vous voyez un petit peu la différence. Il faut apprécier ça. Et là, je vous montre pas les combats. Mais on a aussi des combats. Hein. Tout est filmé hein, en permanence. Hein. Donc ouais, c'est... Ouais, la ville de Torres, c'est compliqué. Même les combats sont durs à apprécier. Les évolutions sur le terrain, on a des changements de. Des. Ouais. Je suis incapable de vous dire ce qui se passe exactement à Toresk. Mais ça bouge et ça se bat. Plus qu'à Chazivia, en tout cas. Donc, ouais, je vais aller. D'ailleurs, je suis un mec. J'ai découvert un. Ouais, j'ai quelques. Voilà, photos de. Je vais dégager ça. Comme ça. Hop. Voilà. J'ai un mec, j'ai trouvé un petit compte Twitter incroyable qui fait de la géolocalisation, un as de la géolocalisation. Donc lui, il prend des vidéos qu'il trouve sur les comptes Telegram russes et ukrainiens et il vous fait de la géolocalisation au mètre près avec des codes couleurs pour que vous compreniez. Je vous montre pas les vidéos de drones parce que les vidéos, c'est du combat, d'accord? Là, sur la vidéo, vous avez un soldat russe qui court 150 mètres sur un toit pour balancer une énorme mine dans le même immeuble où qu'il est pour faire sauter les Ukrainiens qui sont dessous. Et il fait tout détonner, donc les mecs font détonner des mines anti-char, ils envoient des mecs au casse-pipe en mission kamikaze pour faire sauter des mines et tout. Et tout ça, c'est filmé. Comprenez que vous avez un commandant de compagnie qui dit aux mecs où aller et tout ça. Vous vous rendez pas compte d'à quel point cette guerre, tout est filmé, tout est en temps réel. Les lieutenants et capitaines sont avec les drones en train de dire où aller aux mecs et tout ça. C'est aussi terrifiant qu'impressionnant. Et vous avez ce mec-là qui se contente de prendre toutes les vidéos. Non mais YouTube ne voudra pas que je montre ça. Et le mec fait de la géolocalisation. Et il dit exactement où c'est. Donc là, regardez la vidéo qu'il a prise. C'est à Toresk. Et ça permet de déterminer où sont les zones de combat en fait. Vous voyez que la carte n'est pas fausse. Et que c'est des zones grises à quelques centaines de mètres près. On ne sait pas exactement où sont les lignes de front parce que c'est difficile d'identifier les lignes de front. Et le mec fait de la géolocalisation. Je l'ai vu géolocaliser des trucs avec des arbres. Avec des arbres, une petite 3-4 arbres mis à un endroit avec les photos satellites, il peut vous dire c'est exactement ici. C'est très très impressionnant. Donc vous avez des mecs qui font ça sur Twitter. Et ils vous font ça 2-3 fois par jour. Ils prennent des vidéos et ils vous identifient exactement où sont les trucs. Très très intéressant. Les mecs sont très forts. Les mecs sont très 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 forts. Mais c'est aussi beaucoup d'expérience de faire ça. Hein. Mais c'est comme les mecs qui font du. Qu'on s'appelle le jeu là, le jeu avec les cartes et la route là, GeoGuessr. C'est de l'expérience. À force de faire, t'apprends. C'est la même chose là. Hop là, tu as regardé là, j'en ai. Est-ce que j'en ai pas une autre là? Non. Là, j'en ai une autre. Vous voyez? Là, le mec, rien qu'avec les angles des bâtiments, il est capable de dire exactement où c'est. Sauf que nous, on a les photos satellites quand la ville était intacte. Regardez l'état de la ville. Donc ça a quelques jours. Hein. Je vous sors que des trucs ultra récents. Et regardez ce que le mec fait. Et il sait exactement où c'est. Donc il prend les Ukrainiens ont tendance à taper sur la logistique russe. Les Russes qui doivent monter en ligne. Et en identifiant en fait les vidéos des drones ukrainiens, il est capable de dire exactement où c'est, où ça va, et tout ça. Donc là, vous avez un petit peu comment les mecs font de la géolocalisation. Il y a des gens, ils font que ça. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on rigole un petit peu après quand on voit les journalistes sur les plateaux télé. Écoutez les mecs, vous avez plus de crédit, vous êtes incompétents, vous racontez n'importe quoi, laissez faire les pros maintenant. Voilà, comme dit Elon Musk, c'est nous les médias maintenant. C'est à nous d'informer les gens. Donc il y a des mecs qui font un travail incroyable de ça. Et c'est extrêmement intéressant. Hop, hop. Donc ouais, voilà pour Toresk. Donc ça pète à Toresk aussi. Hein. C'est un des gros points chauds.
Et maintenant, on va aller dans le secteur. Donc, on va filer. On va aller dans ce qu'on appelle le saillant d'Otchéterinée, la bataille de Prokhorovsk. Donc, voilà Prokhorovsk. Tout avait commencé avec Andriivka il y a 8 mois. La chute d'Andriivka, de Avdiivka. Et tout ça a mis en branle un gigantesque jeu de domino qui est toujours actif aujourd'hui. C'est assez dingue, mais ça fait plus de 8 mois que les Russes sont à l'offensive dans ce secteur. Plus de 8 mois que les Russes ne s'arrêtent plus dans ce coin-là. Ils n'ont jamais fait de pause tactique en 8 mois. C'est assez sidérant. Et ils attaquent tout le temps, 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 tout le temps. Donc quand on vous dit que les Russes n'avancent pas dans le Donbass, c'est faux, d'accord? Là, on a plus de 20 km quasiment de progression. Et c'est pas tant la progression que l'attrition qui va avec, qu'ils imposent aux Ukrainiens. C'est une guerre d'attrition. Et à ce petit jeu, les Russes sont devenus sont vraiment devenus excellents. Donc ouais, on va passer sur la carte de Deep State qui permet de mieux comprendre les progressions. Et on va aller voir à ce qui se passe à Prokhorovsk. Hop là. Il me semble qu'il y a un mois, où on en était. Vous me dites que c'était le 23. La carte parle d'elle-même, hein. C'était il y a un mois. Voilà, il y a un mois, les Russes se préparaient à rentrer dans Kourakivka. On avait Kourakovie, qui est une des grandes forteresses du coin. Superbe position défensive avec une coupure humide derrière. Et les Russes avaient été capables de contourner toute la grande ligne défensive là qu'on voit sur les collines. Et ouais, ils allaient prendre Kourakivka. Vous pouvez voir que la position était sommaire. Écoutez, je vais juste vous mettre la carte et la progression. Et Seldovie était aussi en train de tomber. Je crois même que quand j'avais fait la minute géopolitique, Seldovie, officiellement, les Russes avaient annoncé avoir pris la ville. Et vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer en l'espace d'un mois dans ce secteur. On va rester à Kharkivka. Ça se passe de commentaires. Voilà. Et on va passer sur la carte un peu plus favorable aux Russes, mais qui est plus classe au niveau imagerie. Et on voit que les Russes ont refusé de pousser sur Prokhorovsk, mais sont en train de pousser par le sud de Prokhorovsk. Parce qu'il n'y a pas de fortification dans ce coin-là. Les Ukrainiens sont tellement fait dégager que n'y a pas de terrain valorisé, il n'y a pas de ville pour défendre. Les villes, elles ont été abandonnées. Et là, les Russes peuvent faire des tout droits. Les Russes attaquent quasiment tous les jours. Ça attaque avec, comme toujours, hein, maintenant ils ont un mode opératoire qu'on connaît, c'est juste d'envoyer 2-3 véhicules, 2-3 véhicules, un tank pour l'appui-feu, et on va prendre le petit village du coin. Donc là sur la carte, un petit village, vous voyez un petit bled comme Pushkine, ça c'est la prochaine cible, ça va sûrement tomber. Donc les Russes passent de ligne de haie à ligne de haie, vous voyez? Les Russes là ils prennent les lignes de haie, et hop, le lendemain ils passent à la suivante. Et après, ils attaquent. On balance quelques fabs pour préparer le terrain et pour sonner la défense. Et hop, on vient prendre la ville. Donc les Russes font des petits sauts. Il n'y a pas d'exploitation dans la profondeur de 10-15 km. On grignote le terrain. C'est comme ça que les Russes font la guerre. Et c'est... Je trouve bizarre qu'il y ait des tranchées. Écoute, on va en reparler de ça. J'ai justement de très très belles photos et vidéos de réseaux défensifs ukrainiens. Le problème... C'est la ville de Kourakovie. Kourakovie est une des grandes forteresses du Donbass, du sud du Donbass. Et les Russes sont en train de la prendre avec un effort minimum. C'est une catastrophe pour les Ukrainiens de perdre Kourakovie. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi avec une carte, ok? Déjà, voici les systèmes, la ligne de défense globale. Voilà le réseau défensif du Donbass, ok? Donc ça, c'est des cartes qui sont identifiées par satellite. Vous pouvez aisément trouver toutes les défenses que vous voyez Kourakovie. Kourakovie est au centre de l'écran. Kourakovie est une forteresse. Elle est déjà à moitié prise. Ouais. À l'instant où les Russes sont dedans, c'est déjà fini. La ville est déjà considérée comme prise. C'est qu'une question de jour. Hop là. Donc ouais. Vous voyez un peu les réseaux défensifs. Généralement, vous allez... Tout ça, c'est des tranchées, c'est du bunker, c'est creusé, c'est des champs de mines. Je vais vous mettre un petit peu en zoom. On va... Hop. Ça, c'est la ville de Kourakovie.
Donc tout ce que vous avez en jaune, c'est des lignes de défense, d'accord? Ça a été préparé, creusé. Vous avez une pelleteuse, là, et vous faites des lignes de tranchées. Et vous voyez Kurakovier. Kurakovier est une position fortifiée absolument incroyable. Et les Russes ont fait beaucoup d'efforts pour pas rentrer dedans. Et la contourner par le nord. La contourner par le sud. Et c'est que récemment, sous la pression, que les Ukrainiens ont dû, on pense, lâcher Kurakovier, d'accord? Regardez le système de tranchées autour de Kurakovier. Le machin était imprenable. Sûrement avec les champs de mines et tout, qui vont avec. Je vais vous remettre la carte. Hop là. Donc les Russes ont choisi de ne pas, avant très tardivement, de rentrer dans la ville, au point d'être sur le point de la contourner par le nord. Les Ukrainiens ont été très inquiets une journée lorsque les Russes ont percé de plusieurs kilomètres et sont venus prendre zone Zivka au nord, au point que les Ukrainiens, en panique, ont fait sauter le barrage de Kurakovier. Vous voyez le barrage là? Donc ça, c'est pas un lac naturel, hein, c'est une retenue d'eau. Et ils ont inondé la rivière Vovcha pour empêcher peut-être les Russes de passer en fait et d'arriver par le nord dans le dos de Kurakovier. Donc, on met des explosifs, on fait péter. Hein. Donc là, on a eu une grosse inondation. On a le niveau qui s'est cassé la gueule du réservoir de Kurakovier. Et là, on a maintenant une espèce de zone marécageuse. Tout ça, là, c'est inondé. C'est sous la flotte. Donc ouais, c'est le problème, c'est que regardez Kurakovier. C'est peut-être une forteresse, mais toutes les forteresses ont leurs faiblesses. Généralement, la logistique est la première faiblesse d'une forteresse. Et les Russes sont bons à identifier ça. Il y a une route pour rentrer, une route pour sortir. Donc ouais, c'est bien beau de mettre la pression, mais il faut ravitailler les hommes, il faut amener les munitions, virer les blessés. Et tout ça, bah, c'est sous le feu de l'artillerie russe, des drones russes. Et les Russes ont tellement mis de pression sur les Ukrainiens le mois dernier que moi, en tout cas, je pense que Kurakovier est tellement en train de tomber vite que les Ukrainiens sont barrés. Ils ont déjà dégagé tout l'équipement lourd et... Ils ont mis les voiles, tout simplement. Ils ont laissé une garnison minimum pour pas que... C'est un cul-de-sac, c'est ça. C'est un cul-de-sac logistique. Et les mecs se sont barrés. Parce que la position était devenue intenable, parce que les Russes ont commencé à la menacer sur tous les flancs. Donc là, vous voyez que la progression russe, on est en plein hiver. Les Russes en ont rien à foutre. Les Russes attaquent, et grignotent le terrain, dégagent les yeux. C'est compliqué. Un autre secteur... Donc il faut qu'on parle. Est-ce que vous vous rappelez, il y a 2 mois, la chute de Vuhledar? Vous vous rappelez de Vuhledar? Il y a 2 mois, j'avais fait une minute géopolitique. Et c'était la chute de Vuhledar. Vuhledar, après deux ans de guerre, Vuhledar était tombé. Et je vous avais dit que Vuhledar était le domino défensif. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens de faire de la défense mobile avec beaucoup d'unités mécanisées. Donc les Ukrainiens se reposent sur des forteresses, d'accord? Kurakovier, Vuhledar, Prokhorovsk, ils se retranchent dans les immeubles. Et Vuhledar contrôlait tout le front sud. Pendant deux ans, les Russes n'ont pas pu exploiter ce secteur du front à cause de Vuhledar. Vuhledar était une colossale épine dans leur cul. Et c'est ce que je vous dis de temps en temps, c'est que il y a des secteurs du front qui s'ouvrent, comme Siversk qui est calme pour le moment, il y a des secteurs du front qui s'ouvrent et qui vont permettre de rentrer en résonance avec d'autres secteurs du front actifs. On va faire un bond de 2 mois en arrière, ok? Vous allez les cartes sont là pour vous expliquer ce que font les Russes. Donc on va faire 2 mois en arrière, on va retourner au moment de la prise de Vuhledar. Donc c'était il y a 2 mois, la minute géopolitique. Voilà, je crois que j'avais fait une minute géopolitique à cet endroit-là. Regardez où on était à l'époque. Les Russes étaient déjà devant Kurakovier. Vous avez vu, les Russes ne voulaient pas trop rentrer trop tôt dans Kurakovier, parce que Kurakovier est une forteresse. Et regardez où étaient les Russes il y a 2 mois. La carte a bien changé. Hein. Vuhledar était contrôlé tout le front sud. Pour des raisons X ou Y, les Ukrainiens ont été complaisants, je pense, en se disant que Vuhledar ne tomberait jamais. Le problème, c'est que Vuhledar est tombé ça a été une surprise, hein, de voir Vuhledar tomber. Maintenant, vous allez voir ce que les Russes essaient de faire.
Comme je dis, c'est, les Russes savent faire la guerre. Ce qu'ils font est logique. Regardez Kurakovier, la ligne, la route de ravitaillement de Kurakovier. Et regardez ce qui s'est passé avec la chute de Vuledar. Ce secteur n'avait pas bougé depuis 2 ans. 2 ans à être immobile. Regardez ce qui s'est passé en 2 mois. Vous avez vu? Pour une raison que j'ignore, à la chute de Vuledar, les Ukrainiens n'avaient rien fortifié derrière Vuledar. Vuledar n'a pas été valorisé en termes de terrain. Je vais vous montrer, j'ai les cartes. Ça. Ah non, ça c'est encore les fortifs au sud de Kurakovier. Kurakovier, ça c'est la carte des tranchées. Donc voilà à quoi ça ressemble sur le terrain, Kurakovier. Vous avez vu que Kurakovier était sacrément défendu. Hein. Grignotage massif, absolument. Le gros problème, il faut que je retrouve... Voilà, regardez. Vous retrouvez Kurakovier. Est-ce que vous voyez par où les Russes se sont engouffrés? Les Ukrainiens, au sud de Kurakovier, se sont dit, pour une raison que j'ignore, qu'ils n'avaient pas besoin de fortifier. Vuledar, vous voyez Vuledar au centre de la carte? Vuledar tenait tout le secteur. Et avec la chute de Vuledar, les Russes se sont engouffrés là-dedans parce qu'il n'y avait absolument rien pour défendre. Vous avez vu le trou là? Bah, allez, devinez par où les Russes se sont engouffrés. Par où il n'y avait pas de défense. Les Ukrainiens sont incapables de défendre quand la défense n'est pas valorisée par des mines ou par des systèmes de tranchées. Si les Russes avancent aussi vite, c'est que les Ukrainiens n'arrivent pas à défendre dans un secteur qui n'a pas été préparé. Pour faire simple, on est en terrain ouvert. Je vais vous mettre... On va aller voir le champ de bataille. Tout ça, c'est du plat et des champs. Les Russes ont pris ça en 3-4 jours quasiment. Ils ont pris les 4 bleds là, vous voyez les 4 villes, Maxilivka, Novolivkinka, Shakhtarske, ils ont pris ça en quelques jours, ils se sont engouffrés là-dedans, zéro défense, zéro préparation. On peut blâmer les... Ah la carte, pardon, attendez, hop, voilà, attendez, je vais vous expliquer. Donc ouais, l'endroit où il n'y a pas de def, c'est ça là. Là, c'est les 4 bleds dont j'ai dit les noms. Les Russes ont pris ça en quelques jours. C'est un secteur qui n'avait pas bougé depuis 2 ans. J'ai vu des Ukrainiens qui hurlaient à la mort de pourquoi ça n'a pas été défendu, pourquoi il n'y a pas eu des tranchées mises au préalable. Eh ben, les gens ont fait des erreurs d'appréciation. Et le problème, c'est que Kurakovier, le front de Kurakovier, donc ce qu'on a vu un peu avant, rentre maintenant en résonance avec le front de Vuledar, où les Russes s'engouffrent dans une brèche pas défendue par les Ukrainiens, pas préparée, pas valorisée, au point que les Russes sont en train de menacer Andriivka et la ligne de ravitaillement de Kurakovier par le sud. Regardez la position de merde de Kurakovier. Les Russes sont déjà en train d'encercler carrément Andriivka, qui est à plusieurs kilomètres, à plus de 10 bornes du front, et Kurakovier est intenable. Donc vous comprenez pourquoi les Ukrainiens évacuent Kurakovier, ou ne cherchent plus à se battre dans Kurakovier. C'est que c'est considéré déjà comme perdu. Sûrement que la prochaine ligne de défense, c'est Andriivka. Et un autre problème, c'est que les Ukrainiens ont tellement pas valorisé la zone. J'ai d'autres cartes très intéressantes. Donc, comme je dis, ce front n'avait pas bougé depuis 2 ans. Pour ceux qui ont suivi, j'avais couvert la bataille de Urozein, où Urozein avait fait l'objet de combats terribles entre les Ukrainiens et les Russes. Les Russes en ont chié pour prendre Urozein. Des mois et plus de 6 mois de combat à Urozein, quasiment. Un abattoir. Et ben là, les Russes, regardez la vitesse à laquelle ils ont avancé dans ce secteur, au point qu'ils menacent la petite ville de Velkia Novosilka. D'ailleurs, on a des combats urbains qui ont été rapportés aujourd'hui. On se bat déjà dans les premières maisons de la ville. Et j'ai une carte qui va vous faire comprendre les fortifications du secteur. Ok. Est-ce que vous reconnaissez? Là, vous avez Volka Nelivka, d'accord? C'est la ville. Là, mais sauf que vous n'avez pas les défenses. Là, vous avez les défenses. Les Russes se sont engouffrés dans une zone de raison, une zone défensive peu valorisée. Pour faire simple, toute la défense ici était tournée du nord vers le sud. On a creusé les tranchées en pensant que les Russes allaient venir du sud. Sauf que là, les Russes arrivent de l'est. Parce qu'ils ont été capables... Bah, le fait de la perte de Vuledar a provoqué tout un mouvement, tout un glissement de terrain du front.
les Russes se sont engouffrés dans des zones de défense peu valorisées. Et là, plutôt que d'arriver par le sud, c'est pour ça que Urozhen a été aussi dur à prendre, les Russes sont en train simplement de contourner toutes les lignes de défense ukrainiennes. Et vous allez voir, ils vont prendre la ville et ils vont passer par derrière. Hop, 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 hop. Et ils vont pas venir en frontal. Vous voulez surtout pas attaquer une ligne de défense en frontal. Vous contournez la ligne de défense. Et là, vous allez voir que toutes ces lignes de défense vont être prises simplement parce que les Russes vont les faire, vont contourner le réseau défensif ukrainien. Si moi, je sais lire une carte, si vous savez lire une carte, les Russes savent aussi lire une carte. Et ils ont parfaitement conscience, grâce à eux-mêmes, à leur reconnaissance et à leur SAT, de où sont les réseaux défensifs, ok? Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Donc ouais, c'est pas juste la carte et tout. Donc on est bien loin des menaces de guerre nucléaire et tout. Faut voir un peu aussi sur le terrain ce qui se passe. Pour revenir un peu à la carte, donc là, c'est les combats très inquiétants pour les Ukrainiens. Je vous cache pas que la perte de Velika, Novosilka, en aussi peu de temps, serait une catastrophe pour tout le front sud ukrainien. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus de villes-forteresses. Les dernières villes-forteresses, Infi demandait où sont les dernières forteresses du Donbass. Kurakovie était une forteresse qui était considérée comme imprenable. Prokhorovsk. C'est Chazivyar et les dernières villes du Donbass. Si les Russes prennent Kramatorsk, on considère que la guerre dans le Donbass est terminée. Donc ouais, les Ukrainiens commencent à tirer la langue. Ils n'arrivent plus à défendre le Donbass, en fait. Voilà. On va retourner un petit peu au nord. On va parler un petit peu de Kurakovie. Vous avez vu là le Dalnier? Le petit bled de Dalnier. Les Russes s'en sont emparés sur un petit coup de main en une journée. Et la prise de Dalnier leur a donné une position incroyable au sud de Kurakovie. Mais aussi, vous savez, il y a encore une journée, les Ukrainiens tenaient ça, hein. Les Ukrainiens ont été encerclés, ici, ont dû se replier. Hop. Et je vais vous montrer quelques photos du coin. Parce que c'est vrai que les cartes satellites, parfois, ne sont pas suffisantes pour comprendre un petit peu le merdier. Donc ça, c'est Dalnier. On me demande aussi à quoi ressemblent les fortifs. Ça a été pris. Regardez, ça, c'est Dalnier. Donc vous voyez le bled, là, Dalnier. Ça, c'est Dalnier. Donc regardez les fortifications ukrainiennes. Ça, c'est compliqué à prendre parce que il faut leur balancer des fabs. Regardez aussi les obus d'artillerie. Vous avez vu comment le terrain est matraqué par les obus? Donc les Ukrainiens se retranchent dans ce genre de position. Donc c'est des systèmes de tranchées. Ils n'ont pas trop le temps de mettre des mines. Donc généralement, les mines sont là pour valoriser un terrain défensif. Hein. Les mines ne sont pas une barrière infranchissable, loin de là. Mais ça permet de gagner du temps. On va dire ça comme ça. Donc là, Dalnier est tombé en une journée. En une journée, on a même vu un char léopard faire de l'appui-feu contre de l'infanterie russe dans le coin. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu les fortifs. Et au nord de Dalnier, ça c'est en octobre, des fois je ne me rappelle plus. Voilà, très intéressant encore. Donc ça c'est des cartes défensives avec tous les réseaux défensifs. Dites-vous que cette carte est obsolète. Cette carte est obsolète, elle date du 30 octobre. Vous voyez que les Russes ont déjà atteint Velika, Nolivka. Kurakovie est en retraite, mais ça vous donne les axes d'attaque. Et regardez la faiblesse dans la ligne de défense ukrainienne. Vous la voyez? Vous voyez le trou par lequel les Russes se sont engouffrés? Il n'y avait absolument rien. Je me demande comment les Ukrainiens n'ont pas vu ça. Mais il y a un gigantesque trou là, par la vallée de la Choukiyali Zelenivka. Il y a un énorme trou dans le système défensif ukrainien, et les Russes se sont engouffrés là-dedans. Vous voyez qu'au nord de Andriivka, il y a des sacrées défenses qui ont été construites vers Shevchenko et tout ça, mais au sud, il n'y a rien. Et les Russes sont en train de s'engouffrer là-dedans, parce qu'ils ont identifié un point faible dans la défense, et qu'ils vont en abuser. Voilà. Et on va aller voir un petit peu au nord. Vous voyez là le Beretsky, le nom du bled, il a été pris hier. On va aller voir la carte de Deep State. Hop, on va aller en avant. Vous voyez, Beretsky, même, a été. Les Ukrainiens ont même dit qu'ils sont encore plus loin que la carte pro-russe, vous voyez. Parfois, très souvent, les pro-russes et les pro-ukrainiens sont d'accord. Hein. Voilà. Donc, ouais, Beretsky,
petit bled à la con, hein. Voilà. J'ai quelques jolies photos de Beretsky. Et il s'avère que je suis une unité du coin depuis très longtemps. D'ailleurs, je vous ai déjà montré des... je vous montre pas la vidéo parce qu'il y a des combats. Et forcément, les combats, j'ai pas le droit de les montrer. Mais, regardez, ça, c'est un drone de reconnaissance de la 114e Rifle Brigade de Fusiliers Motorisés. C'est une unité qui est dans le coin depuis très longtemps. Je vous ai déjà montré plusieurs fois la propagande de la 114e. Et ça, c'est Beretsky. Donc ça, ça date de hier, les mecs. Vous vous rendez compte? La vitesse de l'information. Ça passe pas par le ministre de la propagande russe. Hein. C'est directement les mecs de l'unité qui balancent les vidéos sur Telegram pour dire « Eh, regardez, on est là !» Et quelqu'un me disait que ça ressemblait à la Première Guerre mondiale. Donc là, regarde. Les Russes sont allés s'attaquer à ce réseau de tranchées. Donc voilà le type de tranchées que les Ukrainiens défendent. C'est ce genre de réseau de tranchées, ça fait très Première Guerre mondiale, mais c'est parfois ce qui valorise le mieux le terrain et qui coûte le moins cher. Donc ça demande du temps et des efforts aux Russes d'aller nettoyer ça. Ça fait du combat de tranchées et tout ça. Et ça, c'est la 114e qui allait mettre son drapeau à Beretsky. Donc c'est très intéressant. Parce que je vois souvent les gens qui disent « Ah, les Russes qui font des vagues humaines » et tout ça. Je peux comprendre le point de vue. Un des problèmes, c'est que la 114e brigade de fusiliers motorisés, là, elle est dans le secteur depuis plus de 8 mois. Depuis plus de 8 mois, la 114e, elle est à la pointe de l'offensive russe. 8 mois. Elle n'a jamais tourné, cette unité. On ne l'a jamais retirée du front pour être complétée. Elle est toujours là. Elle prend tous les bleds. Elle met son drapeau, fièrement, et elle balance ça sur Twitter. Elle a même un organisme de presse indépendant qui gère sa com. Et c'est sidérant de voir qu'on a des unités, quand même, dans un théâtre d'opération de haute intensité, même si c'est pas de la haute intensité de Seconde Guerre mondiale, d'accord. Mais cette unité, elle n'a pas été relevée depuis 8 mois. Moi qui viens d'une armée professionnelle, ne pas être relevée pendant 8 mois dans un théâtre de haute intensité... Et assez fou. Et ces mecs n'ont jamais été relevés. Ça fait 8 mois qu'ils se battent. Et c'est... On peut se poser la question, comment ça se fait que les mecs arrivent à garder la même unité dans un secteur pendant 8 mois? Il y a plusieurs suppositions. C'est des suppositions, d'accord. Vous tirerez les conclusions que vous voulez. Mais... peut-être qu'ils prennent pas tant que ça de perte. Ils prennent pas tant que ça de perte, ce qui fait qu'ils arrivent à garder un potentiel offensif avec les nouvelles recrues. Ils ont sûrement deux régiments, un régiment qui est en permanence sur la ligne de front, un régiment de réserve, et ils font tourner les régiments, et ils parviennent à ne pas prendre suffisamment de pertes pour recompléter avec des troupes fraîches et des équipements frais, parce qu'ils prennent des pertes, hein. On a déjà vu la 114e se faire casser la gueule, hein. Y a aussi des drones et tout ça, et ils arrivent à garder un potentiel offensif suffisamment élevé, malgré les opérations, pour garder... pour rester opérationnel. Et ils sont l'exemple, après 8 ou 9 mois d'opération, que, moi je peux vous le dire, ils ne prennent pas tant de pertes que ça. S'ils prenaient trop de pertes, ils ne pourraient pas garder ce rythme. Dans un des secteurs les plus chauds du front, hein. Ici ça bouge, hein, c'est un des secteurs les plus chauds du front, on est là, ça se bat. Hein. Et ça fait 8 mois que je les vois, et ben les mecs ils continuent à se battre et ils lâchent rien. Et c'est... Ça remet un peu en question les pertes que subissent ces unités. Et n'oubliez pas que peut-être aussi, ils prennent des pertes. Mais ils ont de quoi recompléter. Ils ont le matériel qui est aussi là. Et malgré les pertes, ils parviennent à garder ce niveau d'opérationnalité extrêmement élevé. Et... Très intéressant. Je suis pas capable de vous dire pourquoi, j'ai pas les chiffres. Il faudrait que je voie les chiffres. Si vous me laissez avec les chiffres du régiment là pendant une heure, je peux vous dire pourquoi. Ils arrivent à garder ce niveau opérationnel aussi élevé sans faire de faire de tournante avec les unités. Mais voilà. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe chez les deux, mais il y en a un qui peut se permettre une hécatombe plus que l'autre. Et il faut aussi définir une hécatombe. Ça a aucune définition, une hécatombe. Voilà. Donc non, il faut aussi voir l'aspect que les Russes ont peut-être plus de moyens humains et matériels pour compenser leur perte. A contrario, les Ukrainiens, et on sait, ont un problème, ne font même plus tourner leurs effectifs. Quand vous êtes un soldat ukrainien, maintenant, vous mourrez sur place. Vous mourrez dans votre tranchée. On envoie les mecs en aller simple, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas les... J'ai vu une vidéo ukrainienne, assez incroyable, comme je dis, je vois beaucoup de vidéos passées qui n'ont rien de glorieux.
Et vous avez les mecs en train de porter un blessé. Donc, il y a action de combat. Hein. Les mecs portent un blessé ukrainien dans un. Vous voyez, on est bien loin de la propagande. Hein, et il n'y a rien de romantique. Hein. Et il y a un obus de mortier qui leur pète à même pas 4 mètres. Un obus de mortier qui leur explose à la gueule quasiment. Il n'y en a pas un qui a bougé. Il n'y en a pas un qui a bougé. Et ça, c'est la marque de mecs qui sont totalement cuits. Au point que non, mais on s'en bat les couilles. Ils l'ont entendu arriver, l'obus de mortier. L'obus de mortier arrive tardivement, mais vous l'entendez. Il n'y en a pas un qui a bougé. Déjà parce qu'ils portaient le brancard. Donc ils se sont dit, on va pas laisser tomber le brancard. Mais il n'y en a pas un qui a bougé de peur ou quoi que ce soit. Et ça, c'est la marque de mecs qui sont totalement cuits. Genre, à un moment, quand vous êtes crevé, épuisé, l'épuisement nerveux, vous allez en avoir plus rien à foutre. C'est là où des vétérans meurent bêtement. Ou qui sont désespérés. C'est plus de l'épuisement que du désespoir. L'épuisement physique a des conséquences sur le temps de réaction et tout ça. L'instinct de survie a été dépassé. Et ça, c'est souvent les meilleurs soldats, qu'importe qu'ils soient des gens qui passent plusieurs mois sur le front, vont atteindre ce niveau d'épuisement moral, où ils n'en ont plus rien à foutre et où le corps ne réagit plus à certains stimuli de survie. Et là où les bleusailles, les jeunes recrues font des erreurs, les vétérans meurent d'épuisement généralement. Les vétérans meurent d'épuisement à cause de ce genre de choses. On les a pas assez fait tourner et les mecs sont juste cuits. Et la vidéo, ça c'est des signes qui trompent pas en fait. Ça devrait pas arriver. Mais ça vous montre aussi les problèmes. Ça vous montre les problèmes des Ukrainiens qui ont simplement pas assez de soldats. Et il y a une pénurie de soldats chez les Ukrainiens. Voilà. Mais oui, les Russes sont nos copains, on s'en fout de. Copain, pas copain, on n'est pas là pour faire de la. Comme je dis souvent, à chaque fois les gens veulent m'imposer un biais politique. T'es obligé d'être pro-Ukraine, t'es obligé d'être pro-russe. Rien à foutre, moi je suis juste là pour vous lire les cartes et de ce qu'on voit sur les cartes. Peut-être que mon analyse est fausse, hein. Totalement, hein. Mais en tout cas, les cartes ne mentent pas et ne trompent pas. Je veux dire, c'est quelque chose que vous. C'est pour ça que la propagande russe et la propagande ukrainienne sont d'accord sur les cartes. Parce que vous pouvez pas les trafiquer, les cartes. Vous avez vu, on a les vidéos des mecs qui plantent les drapeaux. Et vous pouvez pas trafiquer ça. Contrairement à tout le reste, les chiffres des pertes et tout sont astronomiques. Les chiffres des pertes sont astronomiquement cons des deux côtés. Hein. Quand vous voyez les chiffres du ministère de la Défense russe, mais vous rigolez. C'est absurde. Et les pertes du ministère de la Défense ukrainien sont aussi absurdes. Les mecs, ils butent plus de 1000 soldats russes par jour. Mais que dalle. Que dalle. C'est absurde. Les chiffres sont absurdes. Mais c'est normal. Le but de la propagande, c'est de donner espoir aux gens qui la lisent, d'accord? Donc moi qui suis. Je bouffe beaucoup de propagande pro-russe et pro-Ukraine pour voir c'est quoi les sons de cloche, pour prendre la température. Et c'est vrai que les pro-Ukraine, ils ne partagent plus de cartes. Les pro-Ukraine se raccrochent aux effets de style des missiles, des armes miracles, d'une attaque incroyable. Mais les pro-Ukrainiens ne partagent plus de cartes depuis très longtemps parce qu'ils savent que les cartes sont désastreuses. A contrario, les pro-russes, eux, partagent les cartes avec beaucoup encore plus d'optimisme. Je suis certain compte pro-russe, c'est limite, les mecs ont percé le front une fois par jour. Voilà. C'est voilà. Donc il faut faire attention à la propagande. Il y a du bon de tous les côtés. Au salaire, je suppose. Les Colombiens, là, j'ai vu qu'il y avait. Alors des fois, je vois des mauvaises blagues, hein, mais il y avait une nana colombienne qui se plaignait que son mec était engagé mercenaire chez les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens recrutent enfin tout le monde recrute du mercenaire. Hein. Dans les deux camps, il y a tout. Hein. Et le mec s'était fait tuer à Koursk au bout de 29 jours, ce qui fait qu'il n'avait pas eu son premier salaire. Hein. Et madame en Colombie avait gueulé parce que le mec avait pas survécu assez longtemps pour avoir son premier mois de salaire. Ah, donc ça a raison. Hein. Un mercenaire, il va être payé 2000 boules par mois. Hein. Un mercenaire d'un pays du tiers-monde, là, il est payé 2000 boules par mois. Hein. Un Latinos, là, un Colombien, il est payé 2000 boules. Hein. Voilà. Hein. Et il y a énormément de mercenaires dans tous les camps, comme je dis, il y a du mercenaire partout. Voilà. Comme je dis, c'est que mon avis, d'accord? Allez pas dire aux gens, Pépé l'a dit, c'est vrai, d'accord? Moi, j'apporte juste un peu de grain à moudre pour que peut-être ça vous fasse réfléchir et aller peut-être chercher d'autres informations. Et de mettre ça en parallèle avec d'autres discours, ok? Mais ouais, les cartes généralement ne mentent pas. Donc à quoi s'attendre dans les prochaines semaines? Kurakovier va tomber. Les Russes vont faire sauter le verrou de Velka Novossilka.
ça va ouvrir le sud. Et je parie que dans un mois, quand je ferai la minute géopolitique fin décembre, on sera à Andrivka. Notez le pari, dans un mois, on est à Andrivka. Je pense pas que les Russes auront pris Andrivka dans un mois, mais on n'en sera pas loin. On n'en sera pas loin. Et ça correspond au rythme de progression. On verra, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'on va avoir une contre-attaque ukrainienne glorieuse qui va renvoyer les Russes en Crimée. J'y crois pas une seconde. Voilà. On verra. Bon, je m'arrête là. Si vous avez des choses à rajouter, si je dis plein de conneries, si vous voulez rajouter des commentaires, n'hésitez pas à la vidéo YouTube. Et venez pas me faire chier avec Pépé, t'es pas assez pro-russe ou t'es pas assez pro-Ukraine, ok? Bordel, j'essaie de pas avoir de biais sur le sujet en restant droit dans mes baskets. Voilà. Oh la grenouille, 100 bits! Merci mec! À quand les tutos bien sur ma chaîne? J'ai déjà fait un tuto en live. J'ai déjà fait un tuto live de bière il y a très très longtemps. Voilà. Bon, rendez-vous dans un mois. Hein. Je ferai sûrement ça. Et pour Noël, hein, pour Noël! Hein, pour Noël, les mecs! Petite minute géopolitique sur l'Ukraine pour Noël! Oh là 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 là. Trump va faire bouger les choses. Sans aucun doute que ça va provoquer un chambardement. Je pense. Tu as entendu les réactions du chef d'état-major de l'armée de terre? Non, le chef d'état-major de l'armée de terre, j'en ai rien à cirer. Il n'est pas en position de dire quoi que ce soit, vu la gueule de son armée. Noël sur la ligne Maginot, ouais, putain. On sera de retour à Kiev pour Noël, j'ai lu ça hier sur X. Aïe, 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 aïe. Il me semble que les étrangers ont les mêmes droits que les Ukrainiens. Ouais, ils sont considérés comme des soldats ukrainiens, figure-toi, Adrox. Je crois bah, pour des raisons logiques, que s'ils se faisaient attraper en tant que mercenaires, les mecs se feraient exécuter. Donc ils les font signer en tant que soldats ukrainiens, ce qui fait que je crois que juridiquement, ils ont exactement les mêmes droits que les soldats ukrainiens. Ils sont pas considérés en tant que mercenaires, d'accord? Pour des raisons logiques de protection du soldat. Parce que si vous faites attraper en tant que mercenaires, pourrait y avoir un problème. Les Russes aiment pas trop les mercenaires. Faut bien remplir les rangs, bien sûr. Bah oui, moi je blâme personne, hein. Les gens qui veulent aller crever là-bas pour 2000 boules par mois, c'est leur problème, hein. C'est pour ça, là, tous les experts du chat, là, qui sont là. J'ai toujours dit, Adroux, moi je te paye un billet d'avion pour le Donbass quand tu veux, hein, si tu veux participer à l'effort de guerre, hein. Bon, il est hors de question que je meure pour Zelensky ou Poutine ou Macron ou von der Leyen. Hein. Hors de question. Hein. Voilà. Il doit mettre la pression sur les Russes. Ouais. Après, comme je dis, c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit en géopolitique avec quelqu'un comme Poutine. Poutine ne va rien lâcher tant qu'ils avancent. Ouais. Je suis d'accord avec Adrux. Je pense. Les Russes n'ont. C'est pour ça que je vous dis que les Russes vont pas appuyer sur le bouton nucléaire. Les mecs, vous avez vu la carte? Les Russes sont en train de gagner. Pourquoi vous voulez foutre tout en l'air pour quelques missiles à la con alors que vous êtes en train de gagner après 2 ans de guerre? Après 2 ans et demi de guerre, les Russes n'ont jamais autant progressé que cette semaine en termes d'espace repris. C'est la plus grosse semaine des Russes. Pourquoi vous voulez que ils arrêtent la guerre, les Russes? C'est là, ils sont en train de réussir leur pari de battre l'armée ukrainienne à l'attrition et ils sont en train de gagner du terrain. Adrux a raison. Il n'y a aucune raison pour Poutine et les Ukrainiens de demander la paix. Ils sont en train de gagner. En 2 semaines, ils ont pris plus que les Ukrainiens à Koursk. Vont-ils réussir à détruire le pont de Kerch? Le pont n'a plus aucune valeur. Toute la logistique maintenant passe par voie ferrée à l'intérieur des terres. Une bombe sale, alors ça, c'est encore beaucoup de théories alarmistes. À l'instant où je pense, comme je dis, moi, je vois qu'une seule ligne rouge dans tout ça, c'est si les Ukrainiens récupèrent une arme nucléaire. Les Russes toléreront jamais ça. À part ça, les lignes rouges, on a tous vu que c'était un peu de la flûte quand même. Pourquoi s'arrêter s'ils avancent même avec les négociations? Non, mais tu négocies et t'avances en même temps. C'était quoi? C'était pas le traité d'Aix-la-Chapelle avec Louis XIV? Au traité d'Aix-la-Chapelle avec Louis XIV, ils entendaient le son du canon. Parce que Louis XIV était en train de prendre une forteresse pas loin. Et les mecs, en train de faire les négociations, entendaient le bruit du canon.
Parce que même pendant les négociations, vous voulez être en position d'imposer, d'avoir plus de cartes dans votre manche. C'est vieux comme le monde. Qui pourrait leur fournir l'armement nucléaire? Macron? Macron est une petite salope. Macron, Biden? Cadeau empoisonné? Biden? Macron, les Anglais? Tout tiers Kia pourrait leur donner une nuque. Il y a des armes nucléaires, il y en a partout, hein, en Europe. Hein. Le traité de Westphalie, c'est ça? C'est pas Bagration, d'accord? Comme je dis souvent, c'est un type de guerre très particulier, ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui. C'est très particulier comme type de guerre. Mais les Russes sont en train de l'emporter. À la dure, mais ils sont en train de l'emporter avec leur style de combat. Je suis incapable de vous dire combien de temps. Vous savez que c'est une dynamique victorieuse, d'accord? Ce que là on a, c'est une dynamique victorieuse. Le front ne va pas s'effondrer et l'Ukraine a encore du territoire à lâcher. Ça peut continuer longtemps comme ça. Mais pour le moment, de ce que je vois, c'est que la dynamique, elle va continuer. Les Russes sont sur un rythme de croisière offensif. Jamais j'aurais pensé qu'ils seraient capables de tenir à presque 8-9 mois d'offensive continue. Mais quand on prend l'exemple de la 114e brigade motorisée, la 114e, dans le coin le plus chaud du front, n'a jamais été relevée en 8-9 mois. Ce qui veut dire qu'ils sont capables d'assumer ce genre de perte et en plus de ça, de continuer à pousser. Et je ne les vois pas s'arrêter. Même en hiver, ils vont continuer. Ils vont continuer, continuer, continuer. Peut-être qu'à un moment, elle va s'arrêter la machine. Mais je suis incapable de vous dire quand. Je sais pas. Voilà. Qui voulait un cessez-le-feu le temps des négociations? Les Russes n'accepteront jamais un cessez-le-feu. Je vois pas pourquoi les Russes accepteraient un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu est en faveur de l'Ukraine. Là, je te le dis, un cessez-le-feu est en faveur de l'Ukraine. Un cessez-le-feu sans garantie est à la faveur de l'Ukraine. Les Ukrainiens, les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu. Ils veulent surtout pas que le front soit arrêté maintenant. Ils sont en train de gagner sur le front sud. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient... Soyez logique aussi, hein. C'est... Comprenez que en géopolitique et en diplomatie, quand vous négociez une paix avec une guerre, c'est celui en position de force qui impose ces conditions. Pour le moment, les Ukrainiens refusent les conditions russes. Peut-être qu'à juste raison, hein, je dis pas qu'ils ont... Mais parce qu'ils pensent qu'ils peuvent encore gagner. Sauf que là, tout le terrain que prennent les Russes, ils ne vont pas le rendre. Les Ukrainiens ne sont pas capables à l'instant T d'aller reprendre tout ce territoire perdu. Et plus ça s'accentue, plus les Russes vont être en position de force pour négocier. Vous pouvez pas imposer des conditions de paix à un mec qui occupe votre terrain. Tu vas faire ça ! Non ? Ah bah, on continue. Vous voyez ? Les propositions de Trump. Écoutez, Trump et tout, c'est... Il faut aussi être logique par rapport à ce que les cartes vous montrent. Les cartes vous montrent que les Russes sont en train de gagner du terrain. Ils ont aucune raison d'arrêter. Aucune raison. Peut-on envisager un déploiement de l'armée française sous uniforme ukrainien? Bon, ils vont juste mourir comme les autres, hein. Tu sais, on a déjà 50 nationalités sous drapeau, sous uniforme ukrainien, ils se font tous buter, hein. T'es soldats français, on a quoi? On a 30 000 soldats effectifs. On va en envoyer 1000 ou 2000. Ils vont prendre des fables dans la gueule. T'es prêt à voir les cercueils rentrer aux Invalides? Trump est de toutou de Poutine, pour le moment pas du tout. Il a ses propres intérêts. Ça, c'est une mauvaise habitude de voir tous les gens qui sont pas dans la poche de Zelensky, de dire que c'est des pro-Poutine. C'est une très mauvaise analyse que vous faites. Tout le monde... Moi, j'en ai rien à foutre de Poutine, j'en ai rien à foutre de Zelensky. C'est pour autant, je suis pas pro-Poutine, tu vois. C'est une erreur d'appréciation que vous faites de penser que le monde doit être polarisé en deux camps, les pro-russes ou les pro-Ukraine. Vous avez énormément d'entités politiques qui en ont rien à foutre de Zelensky et de Poutine et qui jouent les deux tableaux. L'Inde, ils disent « Bonjour Zelensky, bonjour Poutine !» Et on achète le pétrole et tout ça par derrière. Il y a d'ailleurs une grande majorité du monde ne veut pas se mettre à dos la Russie et temporise tranquillement. Donc ouais, c'est... Faut pas faire ce genre d'erreur d'appréciation, de vouloir tout polariser par rapport à votre point de vue. Votre point de vue, il est minoritaire, quoi que vous pensiez. Et la majorité du monde ne veut pas être mêlée à ce conflit, ne veut rien avoir à faire, et ils veulent juste pas que la Russie appuie sur le bouton. Voilà.
Il joue sur des tableaux, mais quasiment toutes les puissances du monde jouent sur plusieurs tableaux. C'est la base même de la diplomatie, de la géopolitique, de tout ménager et de ne pas se mettre dans un camp. Il y a que les Européens qui ont été assez cons pour se mettre totalement la Russie à dos et de tirer au bazooka dans notre industrie en se privant du gaz russe et tout ça. Trump est moins polarisé que les Européens. Donc ça fait de lui un pro Poutine pour les ânes bâtés. Moi, je trouve qu'il est juste plus pragmatique et qu'il veut pas que l'argent finisse en Ukraine, tout simplement. Maintenant, je suis incapable de dire ce qui va se passer dans les prochains mois. Ça va être intéressant, faut juste espérer qu'ils se foutent pas sur la gueule à coups d'armes nucléaires. Écoutez, moi, je suis en Islande, je suis pas dans le centre-ville de Reykjavik, je suis dans un bâtiment en béton armé, je suis orienté plein est, techniquement, je pourrais survivre. Et vous en Europe, vous en France, regardez où vous vivez, hein. Proche de Paris, ouais, toi, Infi, t'es baisé, hein. J'ai appelé Vladimir, Infi, pour te donner ta géolocalisation. Il y en a une qui arrive juste pour toi. Bon, je m'arrête là. D'ici... Oh non! Bon, on lancera à 21h Age of Empires, ok? Et sinon, ouais, n'hésitez pas à commenter dessous, d'accord? Bon, passez une bonne journée, bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Et demain... Je ferai du Panzer Corps au début d'après-midi, du Company of Heroes en soirée. Et c'est déjà pas mal. Continue de refaire du Command Ops. Pas tout de suite! Command Ops, c'est une fois de temps en temps, parce que c'est quand même... c'est épuisant, Command Ops.